Le côté important de cette exposition, c'est la première fois que j'expose des peintures avec ma mère, Chaïbière. Parce que on a eu la première exposition, j'ai fait section de dessin à Ibis en 1974. Donc je fais section de dessin et la deuxième exposition à Copenhague en 1984. Toujours section de dessin. Et c'est une originalité, c'est la première fois que mes tableaux côtoient les tableaux de Chaïbière. Beaucoup de gens ne connaissent pas ma peinture, donc ils sont plus habitués à voir, parce que j'expose très rarement au Maroc d'abord, même à l'étranger, donc je suis heureux de montrer un peu mes derniers travaux que j'ai travaillé sur artiste voyageur de nuit. Donc, je suis content de montrer ces travaux-là. Et quelques portraits imaginaires qui sont là, et je pense que la banque possède une très belle collection de Chaïbière, de peinture. Donc nous, je pense qu'il y a des sérigraphies de Chaïbière. Puis ce qui est très important, c'est les panneaux de Chaïbière, c'est les archives. Donc tous ces archives-là, c'est la différente exposition de Chaïbière à l'étranger. C'est important pour que les gens les voient. C'est la première fois qu'on montre ça au Maroc.